PNV. Oups. Hello, hello. Ah, bon, le temps que. Voilà, j'étais en train de m'installer. Alors, hello, hello. Bonne et heureuse année 2023 à tous. J'espère que votre année a commencé comme vous le souhaitez et vraiment recevez mes pensées les meilleures pour cette nouvelle année. Et donc, aujourd'hui, je vais partager une petite réflexion avec vous sur le plan merveilleux du pervers narcissique après votre rupture. Oui, il sera question de ça tout au long de cette vidéo, le temps que les uns et les autres. Alors, monsieur Grondin Yannick, bonsoir, bienvenue. Donc, le temps que les uns et les autres, je crois que j'ai un problème d'éclairage. Merci, bonne année. Attendez, je ne m'étais pas bien ajustée, donc, une minute. Oups. Voilà, je crois que là, ce sera mieux. Voilà. Voilà. Alors, bonsoir, Anto Pied-Mère. Bonsoir, Arkifi. Bonsoir, Cristal, Cristal. Mais vous étiez au taquet ou quoi? Mais Nani, bonsoir. Donc, j'étais en train de. Bonsoir à tous. Donc, je disais, il y a un plan merveilleux. Le pervers narcissique a un plan merveilleux pour vous. Ah, et surtout après la rupture. Merci, Nouranami, je reçois. Meilleurs vœux à vous, Priscilla Dima. Meilleurs vœux, merci de savoir que je ne suis pas seule. Merci beaucoup du fond du cœur. Donc, j'étais en train de dire que nous allons parler. Étienne Bertrand Mimban, bonsoir. C'est bon, bonsoir. Jess Dia, bonsoir. Mais c'est pas possible. À peine je suis connectée. C'est quoi? Vous aviez l'info que j'allais faire un direct ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à peine connecté? En tout cas, merci du fond du cœur. Merci Marie-André Pénigra, la vie drame. Ah, vous sortez d'hiver, hein? D'accord. Bon, n'oubliez pas le principe, hein, 2023, on ne change pas les bonnes habitudes. On like d'abord. Merci Anna-Léa pour ceux qui ont activé la cloche. Merci beaucoup. Donc, je vais partager une petite réflexion avec vous. Oh, merci. Je vais partager une petite réflexion avec vous sur le plan merveilleux du pervers narcissique après votre. Vous avez eu le bim de la notification. Yes, c'est génial. Merci. Merci YouTube. Merci. Merci la technologie. Donc, j'étais en train de dire que le pervers narcissique a un plan. D'accord. Bon, je vais faire. Bon, Linda Millet, bonsoir. Alors, je vais d'abord développer mon propos parce que sinon, avec vos messages et tout. Donc, j'étais en train de dire que on ne fait pas souvent attention, mais vraiment, comme je le dis souvent dans mes coachings, avec un pervers narcissique, n'est-ce pas, NJSD, avec un pervers narcissique, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. N'oubliez jamais ça. Vous pouvez tout oublier sauf ça. Un avant, un pendant, un après. Ça veut dire quoi? Il y a l'avant pervers narcissique, l'approche, la phase de séduction, la phase de love bombing. Il y a le pendant, le film d'horreur, la scène de torture qui va se répéter mille et une fois. Et puis, il y a l'après. L'après pervers narcissique. Soit lui, il vous jette, entre guillemets, soit c'est vous qui partez. Et pour le pervers narcissique, la séquence est bien codifiée. C'est-à-dire que le pervers narcissique, fort de ses expériences antérieures, passées, sait très bien. Salut Soumarou, bonsoir, bienvenue. Et merci pour les vœux, meilleurs vœux à vous. Le pervers narcissique sait très bien. Il sait très bien, ou si c'est une dame, elle sait très bien, qu'il y aura un moment où ça ne va plus donner, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où vous en aurez marre, tout simplement. Et soit il va vous jeter, soit vous allez partir. De toute façon, ses expériences antérieures le lui ont prouvé. Et donc, pour chaque période, pour chaque phase de votre relation, le pervers narcissique a bel et bien un plan. Si vous suivez les vidéos sur la perversion narcissique, vous pouvez déjà avoir une idée de ce à quoi ressemble le plan d'un pervers narcissique, l'avant et le pendant, et même l'après. Mais aujourd'hui, je veux vraiment attirer votre attention sur un petit détail. Mais un détail qui, à mon sens, est capital. Vraiment, on ne s'attarde pas souvent dessus. C'est-à-dire que la plupart des
des personnes qui abordent la thématique de la perversion narcissique se concentrent beaucoup plus sur l'avant et le pendant, ce qui est normal. Parce que les véritables problèmes, c'est vraiment pendant la relation, c'est pendant l'emprise. Quand on est complètement sous emprise et on est complètement attaché par le lien d'âme et on ne sait véritablement pas quoi faire. À ce moment-là, effectivement, on a besoin de toutes les ressources, de toute la connaissance nécessaire pour déjà prendre conscience de ce dans quoi on se retrouve et surtout trouver la ressource pour s'en sortir, pour se dégager de cette sombre affaire. Oui, mais, à mon sens, il n'y a pas beaucoup de contenu qui insiste sur l'après pervers narcissique. Et pour moi, c'est aussi trivial que le pendant. Et vous allez, je vais m'expliquer. Peut-être parce que c'est une déformation professionnelle. Vous savez, en médecine, une chose est d'intervenir, de faire une chirurgie pour extraire une maladie du corps de quelqu'un. Mais la période la plus compliquée même, c'est-à-dire la période la plus compliquée en médecine et en chirurgie, c'est l'après-chirurgie. C'est le suivi après une chirurgie. Et si vous avez déjà eu à passer par cette case-là, vous savez que votre médecin a insisté avant même de vous amener à vous y engager. Il a insisté à ce que vous soyez disponible dans les jours qui allaient suivre la procédure chirurgicale. Parce que le suivi, le succès de la chirurgie dépend fortement de la période post-opératoire. Eh bien, à mon sens, c'est la même chose en ce qui concerne le pervers narcissique. Un acte chirurgical ne peut pas réussir si la période post-chirurgie n'est pas bien fixée, n'est pas bien encadrée. Parce que la période après la chirurgie, c'est une période où on est délicat, où on est fragile. Et c'est la même chose en ce qui concerne un pervers narcissique. La période après un pervers narcissique, c'est une période compliquée. C'est une période délicate parce que c'est une période où tu es fragile. Tu as donné de ton tout pendant cette relation et tu es encore sorti de tes tripes, de ton primal pour te sortir de cette relation, de cette emprise. Et donc, tu es fragile. Et devine pas quoi, le pervers narcissique le sait. Le pervers narcissique sait que juste après t'être séparé de lui, tu es fragile. Et c'est donc à cette période-là qu'il va taper fort. Il va taper de toutes ses forces parce qu'il sait que s'il y a un moyen, s'il y a bel et bien un moment où il peut atteindre, c'est ce moment-là, le moment après l'emprise. Or, si vous suivez les contenus, si vous suivez les contenus, en fait, on s'attarde plus sur le pendant. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour sortir d'emprise? C'est bien beau, mais après, tu fais quoi? Après, tu fais quoi? Et ça, c'est tout aussi compliqué. Parce que si tu rates ton après-pervers narcissique, tout ce que tu auras mis en place aura servi à quoi? Si après ce pervers narcissique, ta vie est moins belle, moins reluisante, si tu es moins heureux, si tu es moins bien dans ta peau après ce pervers narcissique, ça aura servi à quoi de te séparer? Je serais tentée de te dire qu'autant mieux tu serais resté dans cette relation que de te séparer et être pire. Et vous voyez, c'est ça qui m'amène donc justement à la thématique de cette vidéo, parce que depuis que je suis dans ce milieu, au travers des personnes que j'ai eu à coacher, au travers des personnes que j'ai eu à accompagner en coaching, merci, bienvenue Laetitia Beauvalet, bonne année Claire M, bonne année à tous, d'accord? Donc, depuis que je suis dans ce milieu, je me rends compte que c'est vraiment compliqué l'après-pervers narcissique. Je serais même tentée de dire avec un certain recul que la partie la plus facile, c'est de se sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Le plus difficile, c'est après. Et si vous connaissez un peu ma philosophie dans cette chaîne YouTube et dans tout le contenu que je donne, c'est vraiment d'arriver à un niveau où vous kiffiez votre vie après un pervers narcissique. Que votre vie soit meilleure après un pervers narcissique. Le problème, c'est que quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, du moins dans les débuts de la sortie, on sort un peu handicapé. Et c'est pas mal de le dire, c'est tout à fait normal. Et il faut, oui, bonne année, merci. Et il faut tout juste en prendre conscience. Il faut prendre conscience de ça, c'est normal. Tu sors de quelque chose qui était aberrant. Tu sors d'une anomalie. Tu sors d'une salle géante de torture où tu étais torturé H24. Comment tu peux penser que tu es sorti de là indemne?
tu ne peux pas être sortie de là indemne. Il y a des cicatrices, d'accord? Mais c'est possible d'avoir une meilleure vie après. C'est juste qu'il faut connaître les étapes. C'est juste qu'il faut connaître la procédure. C'est tout. Mais c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Et donc, je vais partager avec vous le plan merveilleux du pervers narcissique pour cette période-là, pour l'après pervers narcissique. Donc, cette vidéo, en fait, concerne vous qui êtes encore en relation avec un pervers narcissique. Je pense que ça vous concerne parce que de toute façon, c'est votre futur. C'est votre futur si du moins vous vous êtes engagé à vous sortir de là. De toute façon, loi de l'attraction oblige. Si vous vous êtes connecté à cette vidéo, c'est que vous avez l'intention de vous sortir de là. Et je vous y encourage fermement, mais bien évidemment avec sagesse. D'accord? Donc, cette vidéo-ci, c'est pour ceux qui sont encore en relation, mais surtout pour ceux qui sont déjà sortis. Oui. Si vous avez réussi à vous sortir des griffes d'un pervers narcissique, je vous dis bravo. Et je vous dis, faites attention. Et suivez cette vidéo parce que au bout de cette vidéo, au terme de cette vidéo, à la fin de cette vidéo, je vais donner des clés pratiques. Oui, c'est pour cela que je spécifie bien mon public, Clara M. Je l'ai toujours dit et je suis parfaitement consciente que bonsoir Mireille et bienvenue. Tout le monde, c'est pas donné, c'est une grâce. Il y a des personnes qui malheureusement ne s'en sortiront pas. Le truc c'est que, Didi Sanogo, merci, meilleur vœu à vous, merci beaucoup. Le truc c'est que comme je crois à la loi de l'attraction, je me dis que, écoutez, la vibration oblige, comme moi j'ai réussi à m'en sortir, tous ceux qui vont se connecter à cette vidéo vont s'en sortir. Allez, allez, on dit amen. Ah! Donc, Sally, merci. Ouais, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, Sally. Nous sommes des aimants naturels, APN, c'est comme ça. Le plus important, c'est juste apprendre à les détecter très tôt. C'est tout. D'accord? Donc, je suis en train de vous parler du plan. Le pervers narcissique a un plan. Et il a un plan merveilleux. Le pervers narcissique a un plan merveilleux pour l'après-lui ou l'après-elle. Parce que le pervers narcissique n'a pas l'intention de vous laisser comme ça. Il ne va pas vous lâcher. Il faut déjà vous le dire. Il n'y aura pas un moment où ce sera la sainte paix, où toute hache de guerre seront enterrées. Pepsi, Seigneur, bonsoir. Bienvenue, meilleur vœu, merci. Non, ce sera toujours... J'aurais même dû intituler cette vidéo « La guerre des tranchées » parce que c'est véritablement une guerre des tranchées. En fait, retenez une chose. L'après-pervers narcissique, ça veut dire que c'est vous qui avez décidé de mettre un thème à la relation. Je m'explique. Parce que pour le pervers narcissique, tu restes son jouet. Tu es son jeu. Ça veut dire que même si c'est le pervers narcissique qui a mis un terme à la relation, il se réserve le droit de revenir de temps en temps dans ta vie. Tu vois? Et donc, si malgré le fait que ce soit lui qui ait officiellement arrêté la relation, que vous ne soyez plus en relation, ça veut dire que tu ne l'as plus autorisé à revenir. Parce que quand le pervers narcissique te dit que c'est fini, en fait, ce n'est pas fini. Il a mis juste une pause. Ce sont juste des termes qu'il utilise, mais dans sa tête, pour lui, c'est juste une pause et il va revenir. Mais si ça reste comme ça pendant longtemps, ça veut dire que toi-même, tu as émis des signaux, tu as mis en place quelque chose. Tu as mis en place quelque chose qui fait qu'il ne peut plus revenir, donc tu lui as dit non. Donc, en fait, c'est toi qui as arrêté la relation. Vous devez bien comprendre ça. Si vous n'entretenez plus, si vous n'êtes plus en communication depuis un bon bout, ça veut dire que c'est toi qui as arrêté la relation. Parce que pour le pervers narcissique, c'est jamais fini. Et comme ça, là, à l'esprit me vient la vidéo du clip, je ne sais plus qui a fait le clip là. Chaud, 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 chocolat, chaud. Alors, si vous vous souvenez de ce clip, il y a un moment dans le clip où il y a un monsieur qui vient, qui dit que, allez, viens, tu prends tes clics et tes claques et tu rentres à la baraque. Et la dame, elle dit, mais à quel moment on n'est plus ensemble? Et le gars dit, qui t'a dit qu'on n'est plus ensemble? Et la dame dit, non, moi je ne suis plus avec toi. Le gars dit, non, pour moi ce n'est pas encore fini. Tant que moi je ne t'ai pas dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Donc, tes histoires avec Aladdin et tout ça, tu laisses machin et tu rentres à la baraque. Vous souvenez de ce clip-là? Chocolat. Je ne sais plus qui sont les artistes, excusez-moi. Pour ma culture. Si vous pouvez me dire dans les commentaires qui sont les artistes. D'accord? Donc... Le pervers narcissique, dans sa tête, ce n'est pas fini. Voilà, vous voyez alors, comme par hasard, Grondin dit, sa PN aimait cette chanson. Ah, ah, ah. Voilà.
Ouais, même l'introverti. Donc, j'étais en train de dire que, donc, pour cette période, le pervers narcissique a un plan. Et je vais même le décliner en plan A et plan B. En plan A et plan B. Vous comprenez? Donc, tout au long de cette vidéo, je vais vous expliquer ce plan. Les tenants et les aboutissants de ce plan. Les répercussions, les objectifs à terme de ce plan. Mais surtout, comme à l'accoutumée, si vous avez l'habitude de me suivre à la fin de cette vidéo, ce qui a lieu de faire. Qu'est-ce qui a lieu de faire? Parce que, en dépit du plan du pervers narcissique, voilà, il s'appelle l'artiste Fit Awa Imani Choco. Oh là là, merci Alima Dabo. C'est ce clip-là, effectivement. C'est juste la partie où le gars arrive, il dit. Qui t'a dit que c'est fini? La fille dit, mais c'est fini, toi et moi, on est plus ensemble. Et le gars dit, non, 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 si moi, je ne t'ai pas dit que c'est fini, c'est que ce n'est pas fini. C'est exactement ça la logique dans laquelle est le pervers narcissique. Donc, voilà, dans la tête du pervers narcissique, c'est jamais fini. Donc, si vous n'êtes plus en communication depuis un bon bout, ça veut dire que c'est toi qui as acté. C'est toi qui as arrêté, qui a mis un terme à cette relation. Et pour ça, je te dis bravo si tu es arrivé à ce terme, à ce niveau. D'accord? Maintenant, je vais t'expliquer ce qui se passe. Parce que, qui va se passer? Parce que plein de personnes se sont retrouvées engluées là-dedans et n'ont pas vu venir. Quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, on se dit que ça y est, c'est fini, c'est bon. Maintenant, on n'a qu'à travailler sur soi et à réparer notre vie, ça va. Non, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Parce que maintenant, vous vous êtes constitué un ennemi. Oui. Si avant, le pervers narcissique était ton ennemi, maintenant, il est ton ennemi fois mille, en fait. Il est mille fois plus ton ennemi. Il est voué, c'est-à-dire, ça devient maintenant une histoire de haine. C'était déjà une histoire de haine avant, mais là encore plus. Il devient. Non, 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 t'as ado quelqu'un. T'as ado quelqu'un qui est résolu à ta perte. Et j'entre déjà dans la première partie de cette vidéo en vous annonçant déjà l'objectif final. L'objectif final du pervers narcissique. Quelles que soient les modalités, parce que je vous ai dit qu'il y a le plan A, il y a le plan B, vous comprenez? Plan A, plan B. Mais quelles que soient les modalités, même s'il refait sa vie à Lima Dabo, puisqu'il refait sa vie par rapport à toi, le pervers narcissique se remet en selle par rapport à toi pour t'énerver. Et ça revient donc à l'objectif général. L'objectif général, c'est de te détruire. N'oubliez pas ça. Maintenant, il y a des objectifs spécifiques qui se font en plan, qui se déclinent en plan A ou en plan B selon le contexte et selon la configuration que vous allez montrer ou donner au pervers narcissique. D'accord? Donc, le plan A, c'est quoi? C'est l'idéal. L'idéal pour le pervers narcissique, c'est de vous ramener à la baraque. C'est de vous ramener, c'est que les choses redeviennent comme avant et qu'il recommence à vous torturer, que vous rentriez à nouveau en relation. Vous voyez, ça, c'est la première option du plan. Et pour ce plan-là, pour ce plan A, dont l'objectif est de rétablir les relations, vos rapports comme ils étaient avant, c'est-à-dire que vous vous remettez ensemble si c'était une relation amoureuse, ou bien que vous recommencez à communiquer si c'était une relation d'un autre registre, peut-être une relation familiale. Le PN peut être un de vos parents. Ça arrive d'avoir un père, une mère pervers narcissique. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, sur les parents pervers narcissiques. Ou alors, ça peut être une sœur, un frère, un collègue, une amie. Bref, quel que soit le registre, le plan A sera toujours d'abord d'essayer de vous ramener à votre case de départ. Surtout si vous avez été une proie de haut grade. Et j'ai déjà développé dans d'autres vidéos ce que j'entends par proie de haut grade, de grade A. Vous pouvez revenir dans les vidéos idoines. Les vidéos, c'est sur cette chaîne-là. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, si vous avez été une proie de haut grade pour un pervers narcissique, il est hors de question qu'il vous perde. Parce que ce n'est pas possible. C'est un peu comme un système clé-serrure. Vous voyez, quand vous avez, par exemple, la serrure de votre porte ou de votre véhicule, en fait, il n'y a qu'une seule clé qui y entre, en fait. Et on peut faire des doubles, mais c'est compliqué, vous voyez. Donc, c'est la même chose pour le pervers narcissique. Je serais tentée de vous dire que vous avez presque été conçu pour lui. Ne prenez pas ça dans le sens où vous voulez prendre là. J'entends déjà certains codépendants commencer à dire que, ah oui, nous sommes âmes flammes jumelles, nous sommes âmes sœurs. Non, c'est pas ça.
C'est juste que votre déformation, ce par quoi vous êtes passé, les traumatismes que vous avez eu dans votre enfance, vous ont déformé de telle sorte que vous vous emboîtez parfaitement à la personnalité déformée du pervers narcissique. Quand lui, il est là pour prendre chez les autres, pour faire du mal aux autres, pour torturer, vous, vous êtes là pour réparer sans rien demander en retour, pour donner sans rien demander en retour et pour supporter pourvu qu'on vous accepte. Et donc, c'est pour cela que vous vous emboîtez, vous voyez. Et donc, le pervers narcissique, Olivier, merci pour les pensées, bienvenue. Merci beaucoup, meilleure année à vous, meilleurs vœux. Donc, en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que après vous avoir goûté, vous, le pervers narcissique ne peut pas vous laisser partir comme ça. Non, même si c'est lui en apparence qui a hâté votre séparation, ce n'est pas possible. Parce que c'est difficile pour vous, pour lui, de retrouver ce qu'il avait avec vous, en fait. Merci, c'est bon de rappeler les likes. Merci beaucoup. Si ce que je dis fait sens, nous sommes en 2023, on garde les bonnes habitudes. Likons, s'il vous plaît. Ça permettra au logiciel de YouTube de présenter cette vidéo au plus grand nombre, si ça vous dit. Et puis, les likes, c'est la nourriture de l'oratrice. Voilà, on match en énergie jusqu'à... C'est ça que la M. Donc, j'étais en train de dire que ce sera difficile pour le pervers narcissique de retrouver le confort qu'il avait avec vous. Quelqu'un a dit une fois que le meilleur filtre en amour, c'est l'habitude. Avec vous, il n'avait plus besoin de faire d'efforts. Il vous avait déjà conditionné, il vous avait déjà moulé selon ses attentes. Et donc, avec la vie de drame, franchement, moi, je n'entre pas dans ce cauchemar d'affaires de flammes jumelles. Bonjour Ingrid et Bongué, merci, bonne année, meilleure vie et bienvenue. Donc, j'étais en train de dire que avec vous, il avait déjà fait tout le taf. Vous étiez déjà un produit fini, conditionné, une station d'essence gratuite à laquelle il venait juste carburer sans payer. Vous imaginez ça? Il avait déjà fait tout le travail. Donc, imaginez recommencer encore le même taf, prospecter, trouver une autre zone sans être sûr même de trouver suffisamment de carburant à l'intérieur, dans le puits, et construire une station d'essence et tout ça. Vraiment, ça prend beaucoup d'énergie. Et sans même être sûr de la qualité d'essence qu'il trouvera, parce que, n'oubliez pas, je viens de tenir ma première session de la Energy Masterclass de l'année. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons une autre session. J'ai dit que chaque personne a une signature énergétique unique. Ta signature énergétique est unique, c'est comme tes empreintes digitales. Elle n'est pas la même que la mienne, que celle de ton voisin ou de ta voisine. Donc, si le pervers narcissique a goûté à ton énergie, il ne pourra pas retrouver cette saveur-là ailleurs. Il ne pourra pas retrouver cette... Merci Sally Soumaoro de me rappeler qu'il y a du monde au carrefour. Alors, j'invite ce monde à mettre des petits pouces vers le haut si ce que j'ai dit fait sens. Donc, j'étais en train de dire que c'est difficile pour le pervers narcissique parce que même si tu avais un jumeau, ce jumeau ou cette jumelle n'aurait pas la même texture sur le plan énergétique que toi, n'aurait pas la même contenance, la même saveur, tu vois, la même profondeur. Donc, le pervers narcissique ne va pas te laisser. Arrête, enlève ça de ta tête. Même si en apparence, il a refait sa vie, il est passé à autre chose, il ne te calcule plus, ça c'est en apparence, il va revenir. Il va revenir. Et donc, dans le plan A, l'objectif vraiment, c'est de te ramener dans le filet. C'est de refaire les choses comme avant. C'est-à-dire que vous vous remettiez ensemble, en fait, que vos rapports redeviennent comme avant, quel que soit le type de rapport que vous entreteniez au départ, et qu'ils puissent recommencer à te torturer beaucoup plus. Mais le but ultime, n'oubliez jamais ça, c'est de te détruire. Parce que cette fois-ci, il veut te détruire. Pourquoi? Parce que tu as osé le défier. Comment tu oses mettre un terme à la relation? Pour qui te prends-tu pour déterminer quand est-ce qu'il revient dans ta vie? Pour qui te prends-tu pour changer son calendrier? Quand lui, il a décidé que je te mets pause pendant telle période de temps et après je te reprends. Toi, tu oses lui dire non comment? Et toi, tu oses lui opposer de la résistance en vertu de quoi? Et en vertu de quoi il va se mettre à casquer, à transpirer, à crapahuter pour essayer de te récupérer? Eh bien, toute cette facture-là, il va te la faire payer. C'est ça, Ingrid Ebongé. Il veut te faire vivre sa sentence. Il va te faire payer. En plus de te faire vivre sa sentence, il va te faire payer pour tout ça.
La note, là, c'est toi qui vas la payer. Ceux qui se sont essayés, je suis la première, hein, ceux qui se sont essayés à reprendre leur PN, ils peuvent témoigner. Pardon, donnez vos commentaires. Donnez, racontez votre histoire dans les commentaires. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Chaque fois que j'ai résisté, j'ai dit, cette fois-ci, j'en ai marre, c'est fini. Si après, je cédais et qu'il revenait, je le laissais revenir, après, ma condition était trois fois pire. Donc, il me faisait payer. J'ai toujours payé la note, en fait. Toujours. Plein pot. Avec les intérêts. Donc, il te fait payer. Et pour ça, donc, il va te détruire. C'est ça, une note salée, à chaque fois plus salée. Et je pense même que, parce qu'il faut aussi se dire les choses vraies telles qu'elles sont. Quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, on se sent tellement mal. Le désert, ça fait mal. Et même l'après-désert, il y a des moments, il y a des passages à vide qui sont parfois compliqués. Et dans l'une des astuces que je vous donne et qui m'a souvent aidée, c'est juste de repenser. Parce que parfois, tu seras tenté. Tellement tu seras mal, il y aura des périodes qu'on ne vous trompe pas. Après le pervers narcissique, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments où ce sera très compliqué, où tu auras l'impression que ta vie est moins bonne. C'est ça, c'est bon, j'ai essayé deux fois, le niveau était toujours plus élevé, c'est ça. Il s'aggrave avec le temps. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que au fort de ces périodes-là, à un moment donné, tu peux te sentir tenté. Et c'est normal, nous sommes des humains. Moi qui vous parle, je me suis souvent sentie tentée de me rabibocher avec mon ex pervers narcissique. Parce que, voilà, j'avais des passages à vide. Parce que, voilà, c'est des pensées qui vont venir. Et tu ne dois pas culpabiliser avec ça, t'es humain, c'est normal. Et puis, au moins, cette relation, c'est ce que tu connais. C'est ce que tu as vécu. Et donc, à un moment donné, même, tu peux te mettre à relativiser en te disant que, de toute façon, si j'ai survécu à cette relation, qu'est-ce qu'il y a de pire que je vais encore connaître dans ce monde? Autant mieux me remettre, repartir dans cette relation, parce qu'au moins, c'est quelque chose que je connais. Et même si c'est un monstre et tout, mais je préfère encore ça que là où je suis là, où tout est nouveau et je n'arrive pas à retrouver mes marques. C'est normal de le ressentir. Et donc, ce que je voulais vous donner comme clé qui m'a souvent aidée, c'est juste d'imaginer la note. Imagine, ça dit que fais-toi juste, fais une simulation. Ouais, ça y est, tu t'es remis avec lui. Ça y est, un mois passe, deux mois passent. Est-ce que ça va attendre trois mois? Est-ce qu'il va attendre même trois mois? À partir du troisième mois, le revirement de ça. Le visage démoniaque de ça. Les orages narcissiques de ça. La note. Le retour de ça. Quand tu imagines juste qu'il va te faire payer pour lui avoir résisté. Tu vois ça? Juste le fait d'imaginer ça, moi, ça me remet sur les rails. C'est ça! Tous les trimestres, tu payes! Moi, rien que d'imaginer ça, ça me remet sur les rails. Ça me recadre. Je suis inconfortable là, mais mieux l'inconfort là que de repartir là-bas et gérer le retour et payer la note. Ah non! Donc, je pense que c'est une clé qui pourra vous aider. Si vous vous êtes déjà séparés et si vous avez l'idée de vous remettre avec lui. Pense juste à la note que tu vas payer, ma chérie, ou mon cher, parce qu'il va te faire payer. Elle va te faire payer. Ils sont rancuniers comme des poux. Ils sont teigneux comme des tiques. Non, 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 il va te faire payer. Donc, imagine juste ça, tu vois. Tu vas voir, les pensées là vont s'évaporer très vite, même si c'était l'alcool. C'est ça. Voilà, c'est ça, Ingrid. On a toujours, on a ce côté fleur bleue là qui enjolive tout. Mm-hmm. Et puis, on oublie qu'on a subi des choses très compliquées. Donc, ça, c'est le plan A. Et ça, je pense que vous le savez déjà. Si je vous avais réuni ici, là, pour vous parler de ce plan A, ce serait vraiment vous insulter parce que vous tous, vous connaissez ce plan A. C'est le fameux, c'est la fameuse case du ouvring. D'accord? C'est la fameuse case du ouvring. J'ai oublié ma bouteille d'eau. Donnez-moi une minute, pardon, j'ai soif. Je prends juste mon verre d'eau là et je vous reviens, pardon. Une petite minute, pardon. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que le pervers narcissique, je ne vais pas vous, Ruby, bonsoir. Je vais pas, moi, je faisais des vidéos d'orage narcissique pour bien avoir en tête les retours. Une fois que ma mémoire insistait, c'est ça. Merci pour l'astuce, Ingrid. Merci, c'est une très belle astuce. Effectivement, c'est ce qu'on recommande quand vous êtes encore en relation, de les enregistrer.
Comme ça, quand votre mémoire veut vous jouer des tours, genre, nanana, vous revoyez ça et ça vous remet les points sur les i. Donc, 27 ans de relation, j'imagine bien Linda Mulley, ce n'est pas facile. Pourquoi il veut me détruire s'il a tant besoin de toi? Mais il a besoin de toi, justement. Tu lui es utile quand tu es détruite. Le PN0 va lui donner de la récompense à la mesure de ta destruction, en fait, du degré de destruction qu'il pourra opérer en toi. Son donneur d'ordre, pour piquer le terme du vice-versa que je salue. Hein? C'est ça. Il a un chef, le pervers narcissique, qui doit le récompenser pour chaque âme qu'il va lui amener. Le pervers narcissique ne travaille pas seul. Je vous ai déjà dit ça. La perversion narcissique n'est pas, c'est pas quelque chose de psychiatrique seulement. Ça a aussi une dimension spirituelle. Et donc, j'étais en train de dire que je ne vais pas m'asseoir, vous faire une vidéo pour vous parler du plan A. Le plan A est accessoire. Le plan A, c'est le hoovering. Vous vous êtes séparés, il va essayer de vous revenir. Il va envoyer des petits singes volants. C'est le hoovering. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il va envoyer des petits singes volants pour tâter le terrain. Et si tu émets des ondes favorables, après lui-même, il va apparaître sur la scène une fois que le terrain sera balisé par ces petits singes volants. Et puis voilà, vous allez vous rabibocher. Et puis quelques mois plus tard, la torture va recommencer. Ça, c'est le plan A. Maintenant, si tu es un peu compliqué, il y a un abonné que je salue parce que vous êtes tellement nombreux. Excusez-moi, je ne peux pas répondre à toutes vos questions sous les vidéos, tous vos commentaires. Je fais ce que je peux. Excusez-moi vraiment. Donc, il y a un abonné que j'ai lu qui a parlé du reverse hoovering. Je partage cet avis. Je suis parfaitement d'accord. Cet abonné que je salue va se reconnaître. Je ne sais pas qui c'est. Il a fait un commentaire sur une de mes vidéos et il a parlé du phénomène du reverse hoovering. C'est-à-dire que le pervers narcissique va faire l'inverse. Il va faire comme s'il ne vous calcule pas. Alors qu'en fait, il est en train de faire le hoovering. Comme par hasard, il ne te calcule pas, mais il s'arrange à ce que tu aies des infos sur lui. Soit au travers des enfants, soit au travers des petits singes, soit au travers de je ne sais quoi. Et il va essayer de te montrer comme si sa vie est meilleure sans toi, qu'il a refait sa vie. Et c'est justement comme par hasard, celui-là, une semaine après votre séparation, qui est déjà dans une autre relation et qui fait beaucoup de tapage médiatique autour de cette relation. Vraiment, ça te revient par tous les canaux, sur les réseaux sociaux, il affiche partout, partout. Et il va essayer toujours de montrer comme ça, là, sous les projecteurs, cette nouvelle relation sur toute personne potentielle qui pourra venir t'en parler, te raconter ça. Ça, c'est le reverse hoovering. Parce qu'il se dit, dans le reverse hoovering, c'est que c'est pour te choquer parce qu'il connaît tes valeurs. Tu seras choqué. Tu vas te dire que, mais attends, 20 ans de relation, 25 ans de relation, 18 ans de relation, 15 ans de relation, tu balais ça comme ça en une semaine. On se sépare juste une semaine comme ça, tu es déjà avec quelqu'un. Ça va te choquer. Et tu vas essayer, ne serait-ce que parce que tu es un zèbre et que tu ne sais pas encore te contrôler, tu vas essayer de rétablir, de briser le no-contact. Parce que le pervers narcissique a un problème avec le no-contact. J'ai fait une vidéo là-dessus. L'arme fatale du zèbre après s'être séparé d'un pervers narcissique, c'est le no-contact. Il ne supporte pas ça. Donc, le pervers narcissique va utiliser le reverse hoovering pour t'amener à briser, voilà, des photos sur les portables des enfants. Et les enfants vont parler. C'est-à-dire que, autre chose aussi dans le reverse hoovering, il va emmener vos enfants dans toutes ces escapades avec sa nouvelle. Voilà, il m'a jeté quelques heures après, il avait déjà une nouvelle. C'est ça, Véronique David. Donc, j'étais en train de dire que dans tous ses programmes avec sa nouvelle proie, il va associer les enfants si vous en avez. Donc, s'ils se font un pique-nique quelque part, il va prendre vos enfants. Mais ça, c'est même pas. Il va taper là où ça fait mal. En cas d'espèce, moi, j'ai vécu ça. Il va. Arsène Onfia, merci. Bonne année. Je reçois. Bienvenue. Ah, moi, j'ai déjà vécu ça. Il va calculer, par exemple, l'anniversaire d'un de vos enfants. L'anniversaire d'un de vos enfants, il va te priver de ton enfant. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Il va te priver de ton enfant pendant son jour anniversaire. Et il va préférer imposer à vos enfants la présence de la nouvelle proie lors de l'anniversaire de l'enfant. Tu vois? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle le reverse hoovering. Parce qu'il se dit que ça va tellement te choquer que comment on t'interdit d'avoir accès à ton enfant le jour de son anniversaire? Que excédé, tu vas rompre le no contact et tu vas l'appeler. Ou bien tu vas chercher à rentrer en contact avec lui. Tu vas peut-être aller le trouver là où il est. Tu vas aller chez lui, frapper à la porte et dire que c'est quoi? C'est aussi l'anniversaire de mon enfant. Comment tu veux me priver de mon enfant pendant son anniversaire? Et tu préfères que cet enfant passe son anniversaire avec une personne lambda qui vient d'arriver dans ta vie.
Ça veut dire quoi? Ça va te choquer. C'est ça qu'on appelle le reverse ouvrir. C'est pour t'amener à rompre de toi-même le non-contact, à rétablir le contact avec lui. Parce que derrière ça, maintenant, tout est possible, vous savez. Il suffit juste que tu sois en contact avec un pervers narcissique pour qu'il te déballe sa salade. Ça, là, ça ne souffre de rien. Donc, j'étais en train de dire que ça, c'est le plan A. C'est vraiment très facile, ça. Mais on ne prête pas attention au plan B. Parce que on se dit toujours que, bon, si j'ai résisté au plan A, c'est-à-dire si j'ai résisté au ouvring ou bien au reverse ouvring, ça y est, je suis sûre que je lui ai envoyé suffisamment d'informations et de signaux pour qu'il comprenne qu'il doit me foutre la paix et que je n'ai plus rien à faire avec lui. De toute façon, mon non-contact, il est étanche, ça ne souffre de rien. Et donc, je pense que maintenant, il va me couler la paix. Erreur. Parce que maintenant, il y a le plan B. Et c'est le plan B qui est le thème de cette vidéo. Ce plan merveilleux que le pervers narcissique a pour toi. Parce que oui, s'il n'arrive pas à t'avoir, s'il n'arrive pas à te ramener, que ce soit de façon directe par le ouvring, que ce soit de façon indirecte par le reverse ouvring, alors, il va, vous savez, à défaut de quoi, qu'est-ce que je peux dire? On peut se contenter de peu, hein, d'accord? C'est-à-dire, je voulais dire quoi? À défaut de, je ne sais pas quoi, d'un plat raffiné, tu peux te contenter de sardines. À défaut de, voilà, à défaut de caviar, tu peux te contenter de sardines. Voilà. Donc, s'il ne peut pas avoir le caviar, son plan A, eh bien, il pourra bien se contenter du plan B. Et le plan B est plus sournois. Le plan B est plus subtil. Et je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Et je vous ai déjà dit ça. Le problème du pervers narcissique, ce n'est pas tant que tel votre relation au sens que vous le pensez. Non. C'est sa capacité à te torturer. C'est sa capacité à t'avoir comme sa poubelle, comme une de ses poubelles. Parce que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que le pervers narcissique a besoin sans cesse d'une poubelle, d'un réceptacle qui va accueillir toute sa saleté mentale, tous ses déchets mentaux, tous ses cacas psychiques en fait, vous voyez. Donc pendant longtemps, c'est toi qui assurais ça et ça lui permettait d'être stable, tu vois. Donc que ce soit le plan A ou le plan B, son problème, que vous soyez en relation ou pas, il s'en fout. Que tu te sois même remarié, il s'en balance, il s'en gaba, vous comprenez? Son problème, c'est que, est-ce que tu es encore sa poubelle? Est-ce que tu représentes encore un endroit où de temps en temps, quand il se sent plein, il peut venir déverser son trop-plein sur toi? Il peut venir déverser son énergie sale sur toi? Est-ce que tu es un endroit où il pourra de temps en temps te piquer ton énergie? En sachant que la résultante, c'est quoi? À force d'encaisser la mauvaise énergie du pervers narcissique, ce n'est pas un carburant qui est fait. À ce temps-ci, la première masterclass de l'année a commencé aujourd'hui, je l'avais annoncé. Donc, ça a déjà commencé, c'est déjà full là. La prochaine masterclass, c'est pour février. Donc, j'étais en train de dire, nous venons d'avoir notre première session pour la première masterclass de l'année, la Energy Masterclass. Donc, j'étais en train de dire que le pervers narcissique, au final, c'est ce qu'il veut. Le pervers narcissique veut ce réceptacle-là, cette caisse, cette poubelle, voilà, ambulante, et cette pompe d'essence que tu peux représenter pour lui. C'est tout. Remarie-toi, refais sans enfant, je ne sais pas quoi, réécris une autre histoire de ta vie, il s'en fiche. Mais si, au milieu de ça, de temps en temps, il peut toujours tuer toujours sa poubelle, tu es toujours une station d'essence où il peut venir carburer, pour lui, ça va. Ce qui m'amène donc au plan B. Écoutez très bien. Le plan B, donc, c'est que... Dans le plan A, c'est qu'il garde, il te garde comme poubelle près de lui. C'est-à-dire que tu restes sa poubelle personnelle. Il ne la partage avec personne. Tu es là à côté de lui, tout le temps. Il peut avoir accès à toi quand et comme il veut. Tu es là. Par exemple, si c'est une relation sentimentale, c'est que tu reviens habiter avec lui. Donc, t'es là, il a accès à toi 24 heures sur 24. Cela ne souffre de rien. Vous comprenez? Véronique David, donnons le temps. Ah, je parle d'expérience. Il faut donner le temps. Il faut donner le temps. Tu verras. Ce que j'étais en train de dire, c'est que dans le plan B, puisque tu étais devenue une place centrale, écoutez très bien ce que j'essaye de vous dire. C'est très important. Tu es devenu, surtout si tu étais une proie de haut grade, tu es un élément central de l'équilibre du pervers narcissique. Tout l'empire qu'il a bâti pendant que vous étiez ensemble, tout le système qu'il a mis en place pendant que vous étiez ensemble,
est basée sur toi. Est basée sur toi en tant que poubelle de sa saleté mentale et en tant que pompe d'essence, station d'essence gratuite. C'est ça. Donc, maintenant qu'il se rend compte qu'il ne peut plus t'avoir près de lui à volonté, parce qu'il, visiblement, tu es déterminé à ne plus te rabibocher avec lui, parce que, visiblement, tu maintiens mordicus, bec et ongle, ton eau contact, alors il va passer au plan B. Et le plan B, c'est quoi? C'est essayer de te détruire à distance. D'essayer de te détruire, écoutez très bien, d'essayer de te détruire à distance et d'essayer donc de faire de toi un réceptacle de tout ça à distance pour maintenir son équilibre. Parce qu'il en a besoin. Tu l'as habitué. Sans t'en rendre compte, tu es devenu sa drogue. C'est un neuronomane. C'est un toxicomane, le pervers narcissique. C'est un junkie. C'est un junkie qui est addict. Il est accro. Et il est accro à quoi? Il est accro à ton énergie. Il est accro à cette capacité que tu avais d'aspirer sa poubelle mentale. En tant qu'éponge émotionnelle, en tant que zèbre. Nous sommes 93 connectés et je ne vois que 57 likes. On peut faire ça, Adama. 2023 commence bien. 95 connectés, 57 likes. Je ne sais pas. Si ce que j'ai dit vous fait sens, donnez un petit pouce. Pas vrai? Merci pour tous ceux qui likent. Merci. De toute façon, les likes, c'est la nourriture de l'orateur et ça m'encourage. D'accord? Donc, j'étais en train de dire que le pervers narcissique donc va passer au plan B. Le plan B, c'est quoi? Il va créer, écoutez-moi bien, le plan B, c'est qu'il va créer des fronts de tension. En fait, ce sera des leurres. Écoutez très bien. Le pervers narcissique va vous brandir des leurres qui vont devenir des fronts communs de tension, des propositions de ring à long terme. Ou pour le plaisir, comme on dit ici au Cameroun, pour le mal, il va vous épuiser. Écoutez-moi très bien. Il va vous épuiser. Si je ne peux pas t'avoir là, à disposition comme avant, alors personne ne t'aura. Et ce sera toujours moi qui va t'épuiser. Il va te drainer sur le plan énergétique. Comment il va faire ça? Écoutez-moi très bien. C'est très pernicieux. J'ai connu des personnes qui avaient réussi à se séparer, mais qui n'ont pas bien géré ça, notamment ce plan B, et qui malheureusement ont perdu la vue, la vie, autant pour moi. Donc, il faut faire très attention. Ou bien qui ont perdu quelque chose de gros, qui ont perdu leur santé, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu quelque chose de gros après la séparation avec un pervers narcissique. Donc, il faut faire très attention au plan B. Je vous ai dit que vous êtes une place centrale, vous avez une place centrale dans l'édifice du pervers narcissique. Ne serait-ce que pour sa fiabilité, il doit être fiable. Il a annoncé dans sa campagne de diffamation, quand vous êtes séparés, que vous êtes devenu misérable, que votre vie n'a pas de sens. Il vous a sali partout. Alors, il ne faut pas que les gens, quand ils vous regardent, voient un autre spectacle. Les gens doivent voir ce qu'il leur a dit de vous. À savoir que vous êtes devenu une loque, que vous êtes dans la misère et le dénuement le plus complet et absolu, que vous êtes en train de souffrir depuis que vous n'êtes plus avec lui. C'est ça que les autres personnes doivent constater. Et comme ça, ça rend son avatar fiable. Ça redore l'image de son système, de son empire. Vous comprenez? Donc, si le plan A ne marche pas, le plan B sera de créer des fronts de tension. Et les fronts de tension, c'est quoi? Écoutez très bien. Les fronts de tension, c'est quoi? C'est essayer de rétablir. Il va vous faire une proposition. Parce qu'il sait que c'est un point sensible. Écoutez, c'est très vicieux. Quand on vient de sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, on se dit à l'intérieur de soi, plus jamais ça. J'ai réussi à m'en sortir. Plus jamais. Plus jamais quelqu'un ne va me détruire, me démolir comme cet être me démolissait. Plus jamais je vais me sentir dominé, soumis à quelqu'un comme je me suis senti avec cette personne. Alors, comme le pervers narcissique sait que tu t'es promis ça, il te connaît, il a pris le temps de t'étudier, ou bien elle a pris le temps de t'étudier. Alors, le pervers narcissique va te proposer encore une situation
où il te dit que ma chochotte, mon doudou, ce n'est pas parce que tu t'es séparé. Nos rapports n'ont pas changé. Je te domine. C'est des rapports de force. Dominant, dominé. Je ne sais pas quoi. Roi, sujet. Je reste ton roi. Tu restes mon sujet. Quand je parle, tu te tais. Tu ne pourras jamais rien. Tu es à mes pieds. Et je fais de toi ce que je veux. Des rapports de soumission. Des rapports d'autorité. Des rapports de force. Des rapports de domination. C'était ça qui a émaillé votre relation avant, quand vous étiez encore sous emprise. Eh bien, le pervers narcissique va agiter un leurre. Écoutez-moi très bien, c'est un leurre. Parce que si tu as réussi à te séparer de l'emprise d'un pervers narcissique, c'est que tu es plus fort que lui. Mais lui, il va te présenter, il va te faire une proposition de duel pour te faire croire, pour te faire douter de toi, pour te faire croire que ça n'a pas changé, pour te faire croire que c'est toujours lui qui a le dernier mot, pour te faire croire que toi, tu es sous ses pieds. Et ça va toujours se passer comme lui, il a dit. Écoutez très bien. Et ça va donc prendre plusieurs formes. Et la forme la plus courante, la forme la plus répandue, la plus fréquente, c'est les enfants, si vous en avez en commun. Il va beaucoup passer par les enfants. Ou alors, votre procédure de divorce. Vous allez voir que le pervers narcissique va toujours essayer de compliquer les choses. En fait, derrière ça, c'est cette proposition qui est derrière. C'est l'arête qui est dans le, je sais pas quoi, dans l'appât. C'est l'arête. C'est l'arête parce qu'il veut juste que tu mordes. C'est-à-dire, il touche à un déclencheur en toi que j'avais dit que plus jamais. J'avais dit que plus jamais on ne me fera vivre ça. Et pas lui. Je vais lui. Et là, là où tu entres donc dans son piège. Bonsoir Eric. Là où tu entres donc dans son piège, c'est quand tu dis jamais de la vie. Quand tu réponds, tu dis, je ne suis plus sous ta coupe. Et je vais te démontrer, je vais te prouver que les affaires de dominant, dominé, tu vas aller faire ça ailleurs. Moi, tu ne me domines plus. Avec moi, ce n'est plus comme avant. Je vais te montrer, je vais te prouver que les choses peuvent aussi se faire comme moi, je le veux. Ce n'est pas toujours ce que toi tu dis. Ce n'est pas toujours ta volonté. Ma volonté aussi compte. Erreur fatale. Écoutez-moi très bien. En disant ça, tu viens juste de mordre à l'hameçon. Parce que maintenant, vous allez rentrer dans une guerre d'usure. Vous allez rentrer dans une guerre de tranchées. Et à un moment donné, tu vas perdre les choses de vue. Et tu vas juste être englué dans tes traumatismes passés. Tu vas revivre toutes les maltraitances qu'il t'avait faites endurer. Et à un moment donné, tu vas sentir quelque chose monter à l'intérieur de toi. Il doit sentir, ou bien elle doit sentir que les choses ont changé. Ce n'est pas à toi de démontrer au pervers narcissique que les choses ont changé. C'est une pilule difficile à avaler, mais c'est ça. Parce qu'à un moment donné, ça va t'aveugler. Ça va t'aveugler et tu ne pourras plus, ta perception de la réalité sera biaisée. Et lui, il est au courant de ça. Et elle, elle est au courant de ça. Et elle va donc comme ça enchaîner l'heure sur l'heure, proposition de conflit sur proposition de conflit. Et c'est comme ça que tu vas te dévier. Tu n'es pas sorti d'emprise pour prouver quelque chose au pervers narcissique. Tu es sorti d'emprise pour toi. 107 connectés, 67 likes. Un petit pouce en haut, s'il vous plaît. Des petits pouces vers le haut. 107 connectés, 67 likes. On peut faire mieux. Tu n'es pas sorti d'emprise. 113 connectés. On peut être plus nombreux à liker, non? Normalement, ça ne devrait pas être 113 likes. Likons, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire que tu n'es pas sorti d'emprise pour démontrer au pervers narcissique qui tu es. Erreur. Tu es sorti d'emprise pour fermer définitivement cette page sombre de ta vie et pour en ouvrir une autre plus belle. Donc, tu vois que maintenant, tu es dévié. Au lieu de consacrer toute ton énergie à te guérir, à te reconstruire, à écrire de nouvelles pages, de belles histoires sur des chapitres de ta vie, maintenant, il va te dévier de ta trajectoire et tu vas maintenant commencer à t'engager dans une guerre sans fin. Tu vas,
prendre le peu d'énergie qui te reste. Parce que déjà, le fait de vivre dans cette relation, c'était déjà la mort à ton énergie. C'est-à-dire qu'il t'a piqué ton énergie. Tu as perdu beaucoup d'énergie dans cette relation. Parce que tu passais le temps à te faire vider, à te faire vampiriser. C'est une chose. Mais maintenant, tu as mobilisé encore pas mal d'énergie pour te sortir d'emprise. Peut-être tu es même passé par une petite supernova. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que la supernova, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller reconsulter cette vidéo. Peut-être tu es passé par une petite supernova et cette supernova t'a épuisé sur le plan énergétique. Cette supernova t'a vidé. Et donc maintenant, quand tu sors de cette relation, le peu d'énergie qui te reste, c'est pour amorcer ta reconstruction. Et surtout pas pour t'engager dans des... Je vous parle parce que je suis passée à cette case. Je suis tombée dans ce piège. J'ai juste eu la grâce de me ressaisir à temps. Tu vas te retrouver là à rentrer dans une guerre inutile. Ce que tu oublies, écoutez-moi très bien. Ce que tu oublies, c'est que c'est que pendant ce temps, tu es exactement redevenue la pièce centrale de son édifice. C'est-à-dire qu'en faisant ces efforts-là pour essayer de lui démontrer qu'il ne te domine plus, que les choses ont changé, la donne a changé, ce que tu oublies, et là aussi je vais parler aux zèbres, excusez-moi un instant. Et là aussi je vais parler aux zèbres. Qu'est-ce que tu crois? Tu as passé le temps à nourrir un monstre, une entité, de ton énergie pendant des mois, pendant des années. Et tu crois que... Immédiatement après t'en être séparé. Bon, il y en a pour qui c'est vraiment le miracle, gloire à Dieu pour eux, hein. Mais je dis sur le plan pratique, hein, et là, je vais vous donner un peu, je vais vous donner une illustration. Regardez par exemple la situation énergétique actuelle en Europe avec le conflit qu'il y a avec l'Allemagne et avec la Russie et l'Ukraine, avec le gazoduc qui s'est coupé là, qui a été coupé. Eh bien, l'Europe est encore capable de tenir un certain temps, malgré le fait que la fourniture en gaz ait déjà été coupée. Mais l'Europe est encore capable de tenir un certain temps, voire un an, un an et demi comme ça, parce qu'il y a des réserves de gaz, n'est-ce pas? Tu crois que le pervers narcissique n'a pas fait ses réserves de ton énergie? Ben, il a fait ses réserves. Tu sors de cette relation, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas pareil. Je suis désolée. Quand tu sors d'une relation avec un pervers narcissique, sur le plan énergétique, toi, tu es down. Lui, il est ici. C'est pour cela que tu as l'impression, les semaines qui suivent votre séparation, tu as l'impression que ça ne change rien pour lui. Tu as l'impression que, en fait, tu ne lui servais à rien parce qu'apparemment, sa vie donne, comme on dit ici au Cameroun. Sa vie brille. Il rayonne de partout. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, il l'affiche partout. Il affiche son succès, entre guillemets, partout. Tu as même l'impression que c'est lui qui va de succès en succès et que toi, tu vas de décrépitude en décrépitude. C'est normal. Qu'est-ce que tu crois? C'est ton énergie de depuis des années. Donc, il a des réserves. Qu'est-ce que tu crois? Il a quelques bidons supplémentaires qui sont là bien au chaud sous son lit et auxquels il peut faire appel. D'accord? Maintenant, il est donc en train de mettre en place. C'est pour cela que quand vous venez de vous séparer, tu as l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes pour lui. Et tout va mal dans le pire des mondes pour toi. Et même que, et là je vais peut-être choquer certaines personnes, c'est ça qui explique que tes premières tentatives, si par exemple vous êtes, il y a des choses par exemple qui devaient te revenir après votre séparation. Je ne sais pas, peut-être vous êtes divorcé dans le cas d'un divorce. Ce que tu vas réclamer sur le plan légal, tes premières tentatives, généralement. Maintenant, il y a des cas exceptionnels, je ne généralise pas. Mais je dis juste que sur un plan général, tes premières tentatives seront ponctuées par un échec. Seront ponctuées par un échec en justice. Ce que tu vas essayer, quand tu vas essayer, je fais une procédure, je porte plainte, je fais ceci pour réclamer ci, pour réclamer ça. Parfois, au début, ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher, pourquoi? Parce que sur le plan énergétique, tu es ici. Et lui, il est là. Il est encore tout gonflé de ton énergie fraîchement cueillie. Donc, ça ne doit pas te décourager si la première tentative, la première requête que tu as faite via ton avocat n'aboutit pas. Et qu'on déboute ça, on dit non, on accorde plutôt les choses à sa faveur. Ça ne doit pas te démonter. Tu dois comprendre les enjeux, c'est l'énergie.
C'est pour cela que tu dois faire tout pour travailler sur toi, pour guérir, pour changer ta signature énergétique. Tu dois faire tout. Parce que c'est ça qui va t'aider. C'est ça qui va inverser la donne. Et c'est ça que le pervers narcissique ne veut justement pas. Parce qu'il sait que si tu te recharges, si tu guéris, si tu te reconstitues, tu vas devenir ce que tu as toujours été, quelqu'un de plus fort que lui. Et désormais, tout ce qu'il va tenter contre toi ne marchera plus. Donc, il va passer au plan B. Il va te créer des petits fronts de tension comme ça. Parce qu'il connaît tes triggers. Il connaît tes déclencheurs. Il sait que tu as toujours eu envie de lui prouver qu'il n'est pas Dieu. Durant toute votre relation, il se plaçait toujours devant toi comme s'il était un Dieu et qu'il avait pouvoir de vie et de mort sur toi. Et c'est naturel, c'est normal. Je vous dis, plus d'un an, j'ai été à cette case après la séparation. Cette envie-là de lui démontrer que, ben oui, nanani, nanana, tu n'es plus mon Dieu. Ouais, mais sauf que ça t'aveugle. Sauf que ça t'aveugle. Et à un moment donné, tu te retrouves dans une guerre inutile. Et c'est pour cela que j'aime bien cette phrase. Qu'est-ce qu'on cherche? À un moment donné, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'on cherche? Tu crois franchement que tu pourras démontrer à un pervers narcissique jusqu'à l'amener à reconnaître? Tu crois franchement que c'est à toi qu'un pervers narcissique viendra admettre que, ouais, t'as raison, je ne suis pas Dieu dans ta vie? Really? Tu crois? Je ne sais pas. Donc, tu es en train de courir après une chimère. Il ne va jamais reconnaître. Tu crois qu'il va reconnaître? Il va toujours dire qu'il est Dieu dans ta vie. Il va toujours parler, piailler partout, crier sur tous les toits, qu'il a toujours tout pouvoir sur toi. Donc, ne crois pas que tu vas arriver à un niveau avec lui ou avec elle, si c'est une femme, où elle va reconnaître que, oh là là, il est devenu plus fort que moi. Je me couche devant votre sérénissime Altesse et je reconnais que vous m'avez vaincu. Ah bon? Ingrid et Bonguet, tu as tout dit. Et ça, c'est ce que je vais aborder dans la dernière partie de cette vidéo. Il faut s'économiser. Parce que ton enjeu n'est pas là. Le pervers narcissique, c'est une cause perdue. Merci à ceux qui ont liké. Vous pouvez encore faire un petit effort. Le pervers narcissique, c'est une cause perdue. Tu n'as pas fatigué là, bonsoir, bienvenue. Tu n'as pas à brûler plus d'énergie qu'il n'en faut. Choisis tes combats. Choisis tes combats. Économise-toi. Tu en auras besoin. Ta vie te dira merci. Choisis tes combats. Il ne mérite pas ça. Tu n'as rien à lui prouver. Tu n'as rien à démontrer à ce personnage, à ce sombre personnage. Tu n'as rien du tout. Donc, faites très attention à ces leurs. Et n'oubliez pas, écoutez très bien. Le truc, ce n'est pas te détruire pour te détruire. Écoutez. Le truc, ce n'est pas te détruire pour te détruire. Parce que pour le pervers narcissique, c'est maintenant une histoire de survie. C'est une histoire de survie. C'est-à-dire qu'il a bâti tout un empire. Il a bâti tout un édifice sur ta personne. Sur le dos de ta transpiration, sur le dos de ton énergie. Il faut que cet édifice continue de tourner. Parce que, écoutez, toutes les proies qu'il en a, quelle que soit l'amplitude de son harem, la taille de son harem, elles ne te valent pas. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas toi. Vous n'avez pas les mêmes empreintes digitales, vous n'avez pas les mêmes empreintes énergétiques. Si elles te valaient, elles t'auraient foutu la paix. Elles ne te valent pas. Donc, écoutez-moi très bien. La finalité pour le pervers narcissique, c'est de faire vivre son système. Tout ce qu'il a mis en place, son édifice, ce qu'il fait qu'il soit respecté en société, ce qu'il fait qu'il soit reconnu pour une personnalité lambda dans sa famille, auprès de ses pères et tout, c'est sur le dos de ton énergie. Et même la nouvelle relation, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la nouvelle relation, qu'est-ce que tu crois? Celle-là qui t'a remplacé, celui-là qui t'a remplacé. Tu crois que le bonheur de cette relation, c'est sur le dos de qui? C'est sur ton dos. Tu es le cheval, tu es l'esclave, excusez-moi l'image, je ne veux même pas prendre cette image, tellement c'est péjoratif. T'es le cheval sur lequel on fouette pour que la relation tourne.
Et c'est pour cela, et j'ai déjà dit ça dans l'autre vidéo, et c'est pour cela que tu vas voir que la nouvelle proie, elle va très vite comprendre les enjeux. Et de façon très intuitive, elle va justement assister le pervers narcissique dans ses mini-combats. Parce que la nouvelle proie va vite comprendre que quand le pervers narcissique est engagé dans ses combats avec toi, après, il est bien à la maison. Il est bien avec elle. Il parvient à être potable. Ils ont de bons moments ensemble. Mais quand il n'a pas ces moments-là avec toi, où vous échangez des coups de feu, où vous échangez des coups de poing à distance, eh bien, à un moment donné, il devient exécrable avec elle. Alors, cette nouvelle proie va assister le pervers narcissique. Et vous pourrez même voir ça dans la gestion des enfants. Et vous allez c'est pour cela que vous allez comprendre certains actes que vous ne, qui sont bizarres. Comment se fait-il qu'une nouvelle fiancée ou qu'une nouvelle femme soit plus présente, plus impliquée dans la vie de vos enfants que vous-même? Parce qu'elle a compris l'enjeu. Parce qu'elle a compris que si elle réussit à aider le pervers narcissique à te faire te sentir mal, alors c'est elle qui en sera la première bénéficiaire parce qu'il sera gentil à la maison avec elle. Et ils vont donc vivre la love story. Ils vont vivre, ils vécurent eux et eurent beaucoup d'enfants, et etc., etc. Les harlequins, ils vont vivre la vie à l'eau de rose sur le dos de ta souffrance. Je te dis ça pour que ça te motive. Tu veux que le pervers narcissique soit exécrable avec cette nouvelle proie? Tu veux que ça capote là-bas? Tu veux qu'il commence à subir le karma? Ne le suis pas dans sa folie. Est-ce que tu comprends? Parce que je vais donc te dire les conséquences. Je t'ai dit que la première conséquence, c'est que ça maintient le système du pervers narcissique. En fait, ça lui permet de rester équilibré. Il est équilibré, voilà Ingrid Ebongé, tout à fait. Il est équilibré. Je vous ai dit que ce sont des malades. Leur poubelle mentale, là, leur caca manteau, là, ça les rend zinzin. Donc, ils ont besoin d'avoir un endroit où ça sort. Donc, si ça peut sortir sur toi, tant mieux. Comme ça, lui, il est équilibré. Ça veut dire qu'au travail, il parvient à être compétent au travail, à donner un bon rendement au travail. Ça veut dire que dans son nouveau foyer, il est un bon époux, attentionné. Partout, il sera bien. Mais ça, c'est sur le dos, au prix de ta décrépitude. Tu vas t'épuiser à essayer de lui démontrer quelque chose qui n'existe pas, enfin, qui n'a pas besoin d'être, en fait. Et ça va te détruire de l'intérieur. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Ne négligez pas ça. Quand tu sors d'une relation avec un pervers narcissique, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. C'est un moment où tu es vulnérable. C'est un moment où tu es vulnérable. Fais très attention. Pourquoi? Parce que si tu ne choisis pas tes combats, si tu te lances comme ça, de façon passionnée, dans tous les foyers, les fronts de tension qu'il va te créer, tu vas commencer. Tu peux même y perdre ta santé. Si tu n'y perds pas ta vie, tu vas y perdre ta santé. Déjà qu'en sortant de cette relation, tu avais déjà des problèmes de santé. Mais là, si tu joues avec ton énergie, écoutez-moi très bien. Si tu joues avec ton énergie après t'être séparé avec un pervers narcissique, tu peux perdre cette fois-ci de façon définitive un gros morceau de ta santé. Est-ce que je parle à certaines personnes? Je suis passé à cette case. J'ai accompagné des personnes qui sont passées à cette case. Tu peux te choper une maladie qui te pourrit la vie à cette période-là. Écoutez-moi très bien. Parce que tu n'as pas deux corps, tu n'en as qu'un seul. Ta réserve d'énergie n'est pas inépuisable. Elle est limitée. Tu ferais mieux d'écouter ce que je dis. Ça sert à quoi, sinon, de t'être séparé? Si c'est pour maintenant finir flanqué de je ne sais quelle maladie qui t'empêche maintenant de travailler normalement, qui t'empêche et qui te fait maintenant vivre sous assistante sociale. Ça a donc servi à quoi? Réveille-toi, s'il te plaît. Il n'en vaut pas la peine. C'est une cause perdue. Je connais des personnes que je salue chaleureusement qui ont perdu de façon définitive un pan de leur santé. Moi qui vous parle, j'ai été à ça. Tu n'as qu'un seul corps. Tu n'as qu'une seule vie. Il faut t'économiser. Donc, tu vas te lancer à corps perdu dans cette guerre pour lui démontrer je ne sais quoi. Tu vas alimenter la stabilité de sa vie et donc lui, il ira de gloire en gloire, sera toujours la tête, sera toujours rayonnant, sera toujours brillant. Et toi,
Ce sera la descente aux enfers. Pourquoi? Parce que tu veux trop démontrer quoi? Renonce à ça. C'est le prix de ta victoire. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Laisse-le penser que tu es faible. Mais pendant ce temps, tu te recharges. Laisse-le penser que tu es faible. C'est quoi un, deux anniversaires des enfants perdus? Et puis quoi? Si tu peux être en santé et en forme et prospère pour le reste des années qui t'attendent devant, c'est quoi quatre anniversaires? C'est quoi? Je vous ai dit que j'ai passé les congés de 2021 sans mes enfants. Congé de Noël et Nouvel An, deux semaines sans les enfants. Est-ce que ça m'a tué? Mais pendant que je vivais ça, je le vivais mal. Mais ça ne m'a pas tué. Parce que valent un ou deux Noël sur une vie devant toi de Noël possible avec tes enfants? Si tu maintiens, si tu te maintiens en santé, en vie, et si tu maintiens tes activités prospères, Dieu va te permettre de récupérer ces années perdues. Mais de grâce, économise-toi. Ça m'amène donc à la dernière partie de cette vidéo. Choisis tes batailles. Et pose-toi toujours la question. Quel est l'enjeu? Si à l'intérieur de toi, tu sens que l'enjeu, c'est d'essayer de lui démontrer qu'il n'a plus le pouvoir sur toi comme avant, renonce à ça. Ce n'est pas une bonne guerre. Je ne te demande pas de renoncer à tes droits sur le plan factuel. Je m'explique. Si vous avez été marié et que vous êtes en procédure de divorce et qu'il y a des enjeux financiers, je ne te demande pas de laisser toutes les finances au pervers narcissique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ce que tu te dis à l'intérieur. Quelle est la raison pour laquelle tu fais ce combat? C'est de ça que je parle. Ne fais pas ce combat pour le pervers narcissique. N'entre pas en conflit avec lui par rapport à lui. Tu vois que c'est quelque chose que tu dois régler à l'intérieur de toi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'oppose à lui? Pourquoi je suis dans cette procédure? Tu dois être très au clair avec les motivations profondes de ta procédure, de toute procédure que tu intentes avec ce pervers narcissique. Ce n'est pas pour lui démontrer X ou Y. C'est pour toi. C'est parce que, par exemple, tu es dans tes droits. D'accord? Mais sans plus. Ça va te permettre, ça va t'aider à dépassionner le débat. Le pervers narcissique sait que tu as un problème avec tes émotions parce que tu es un hypersensible. Et il connaît tes boutons. Il sait sur quel front il peut déclencher ça. Et il sait que quand tu es dans un état émotionnel déclenché, c'est difficile pour toi de faire la part des choses, en fait. À un moment donné, tu deviens très embrouillé et tu commences à poser des actes qui ne sont pas très systématisés. Et c'est justement ça qu'il veut. Il veut que tu sois confus. Donc, tu dois sortir de l'émotion. Et pour sortir de l'émotion, tu dois être très rationnel. Tu dois toujours te poser la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Et ça doit être très clair dans ta tête. Ce n'est pas pour le démontrer. C'est parce que tu estimes que tu en as besoin. Parce que tu estimes que c'est ton droit. Point. Mais si c'est pour le démontrer, il n'a qu'à penser ce qu'il veut. Tu entends? Est-ce que tu entends? Eric, que signifie JAF? Oui, Ingrid est bon. L'émotion obscurcit parfois le cerveau. Et donc, ça va passer. Et j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Ça va passer par le fait que sur certaines choses, tu vas apprendre à perdre. Parce que tu n'as pas des tonnes d'énergie. D'accord? Donc, si tu réclames les enfants et tout ça, tu jauges ton niveau d'énergie. Et tu vois vraiment si ça vaut la peine, si le jeu vaut la chandelle. La parole de Dieu dit, Jésus avait dit que personne ne se lance dans un projet de construction sans faire une évaluation, sans faire une estimation de ce dont il aura besoin, au risque de s'arrêter en plein milieu de chantier. C'est la même chose. Avant de te lancer à corps perdu dans une bataille juridique avec un pervers narcissique, évalue tes ressources. Et arrête-moi tes conneries en disant que je suis un enfant de lumière, la lumière sera de mon côté, Dieu sera de mon côté. Laisse ça. Évalue tes ressources. Et c'est en fonction de ce que tu as comme ressources en main que tu te lances dans une bataille. Si tu vois une bataille et que tu vois que tu n'as pas les ressources qu'il faut pour aller jusqu'au bout de la bataille, il faut t'arrêter. Il faut d'abord mettre pause. Il faut d'abord mettre pause.
Parce que tu vas te rendre compte que ce n'est qu'un leurre. Écoute-moi bien. Tout ce que le pervers narcissique va t'agiter, c'est un leurre. Il t'agite quoi? Qu'il a le droit de vie et de mort sur les enfants. Ça, c'est le temps qu'ils sont mineurs. Dès que tes enfants seront adolescents majeurs, est-ce qu'on peut contrôler un adolescent? Est-ce qu'on peut contrôler un enfant qui est majeur? Et est-ce que tu ne sais pas que c'est en train d'aller en ta faveur? Toutes ces années qu'il est en train de faire, qu'il empêche les enfants de te voir, ça fait des dettes de moments non passés, de moments inachevés avec toi, dans le cœur des enfants, dans la mémoire des enfants. Et non, tes enfants ne t'oublient pas. Et non, il ne peut pas réussir à monter tes enfants contre toi si tu fais ce que je dis dans mes vidéos. Si tu arrêtes d'être la folle de service, si tu arrêtes le massacre dans ta vie, si tu arrêtes justement la décrépitude, parce que nous, ici au pays, nous avons un proverbe dans ma langue, dans ma langue tribale, qui dit que qui n'aime pas le bien, ça se dit en boulou, je ne sais pas s'il y a des boulous qui sont connectés, Zavinimvai, qui n'aime pas le bien, qui n'aime pas le bien, même tes enfants aiment le bien, donc sois le bien. Qui va attirer tes enfants demain? Ne tombe pas dans le piège du pervers narcissique qui va essayer de te souiller, de te désacraliser et tu vas perdre ton travail et tu vas perdre ta santé, tu vas perdre tout et tu crois que qui aura envie, même si ce sont tes enfants. Qu'est-ce que tu crois? Merci Ingrid et Bongré, il faut redorer ton blason en lettres d'or. Et je dis bien sur tous les plans. Ton enfant doit être fier et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Que regardez ma mère, regardez mon père, après tout ce qu'il a bavé, il a même l'air plus rajeuni, plus beau. Je suis fière. Ton enfant doit même être fier de montrer tes photos à ses amis. Mais ça veut dire que tu dois pas penser à toi. Tu dois faire un travail sur toi. Tu dois retrouver la route de la paix. Tu dois retrouver la route du bonheur et de l'épanouissement. Tu dois kiffer ta vie. C'est ça qui va faire que demain, ses enfants... Ok, merci Alima Dabo. Le JAF, c'est le juge des affaires familiales. Merci. Merci pour l'info. C'est ça qui va faire que demain, tes enfants te reviennent. C'est ces ondes positives que tu dégages qui vont attirer tes enfants. Mais si toi, tu passes le temps à te laisser détruire par ce pervers narcissique et à dégager que des ondes négatives, tu vas chasser tes enfants. Et je vous ai déjà dit qu'en tant que zèbre, Dieu a mis un mystère à l'intérieur de nous. J'ai changé d'avis, j'ai dit qu'on n'est pas là pour guérir le monde, mais tu peux guérir tes enfants. En retrouvant toi-même le chemin de ta guérison intérieure, tu vas remarquer que plus tu travailles sur toi, plus tu guéris, mieux tes enfants vont. Maintenant, ne me demandez pas comment on explique ça. Moi-même, je ne sais pas. Je vous parle de quelque chose que j'ai constaté moi-même sur le plan personnel. Mieux je vais, mieux mes enfants se portent bien, même s'ils ne sont pas avec moi. Donc, tu as intérêt, tu as doublement intérêt à recanaliser ton énergie sur toi. Sur ta guérison intérieure. Hein? Vous connaissez ma rengaine, vous connaissez ma chanson. Sois plus belle, sois plus beau, etc. etc. Hmm? C'est ça? Et donc, j'ai dit, ça veut dire que tu vas parfois renoncer à certaines choses. Il y a certaines batailles que tu vas perdre. Il y a certaines batailles que tu vas perdre. Tu vas perdre certaines batailles. Et ce n'est pas un problème. Ça va te faire mal sur le coup, mais ce n'est pas grave. Parce qu'avec le pervers narcissique, c'est une guerre d'usure. Ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Est-ce que tu entends? Ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Rendez-vous dans 5 ans, rendez-vous dans 10 ans. C'est ça qui dira la vérité sur vous deux. Ce n'est pas l'immédiat. Ce n'est pas dans 6 mois, dans 1 mois. Mm-mm. C'est une guerre d'usure. C'est une course de fond. Et il faut donc ménager tes forces. Ne commence pas à sprinter au début pour t'épuiser au milieu du terrain. Ça aura servi à quoi? Surtout que tu as en face de toi quelqu'un qui utilise des armes que toi, tu ne peux pas utiliser. Toi, tu as des scrupules. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais le pervers narcissique, lui, n'a pas de scrupules. Donc, il peut te faire des coups en dessous de la ceinture. Il peut utiliser tellement de choses qui font que, sur le plan énergétique, lui, il s'économise. Lui, sur le plan énergétique, il s'économise parce qu'il a quand même quelques proies autour de lui. Oui, elles ne sont pas comme toi, mais elles peuvent lui permettre de tenir le combat avec toi, le temps de te remettre à sa disposition pour qu'il recommence à te prendre ton énergie et à déverser sa saleté mentale sur toi.
Tu vois ça? Donc, c'est des enjeux. Il faut faire très attention. Et c'est un plan merveilleux parce que tu vas devenir, parce que tu vas devenir là, le fou de service, le fou du roi. Tu vas devenir le fou du roi, la folle de la reine, en fait. Entre guillemets, le roi ou la reine étant un pervers narcissique, en fait. Tu seras là pour animer leur galerie et eux, ils seront bien savourant le spectacle de ta décrépitude, de ta dépression, de je ne sais pas quoi. Je vous ai déjà dit, le désert est privé, la misère, elle est privée. Coach Amon Chik a dit, et je souscris parfaitement à cette phrase, mieux vaut faire envie que pitié. Je répète, si tu n'as pas bien entendu, mieux vaut faire envie que pitié. Donc, de grâce, épargne au pervers narcissique et à sa suite le spectacle de ta déchéance. Oui, tu as une déchéance, oui, tu souffres, c'est normal. Nous tous, nous sommes passés par cette case. Nous tous, nous sommes passés par cette case. Nous tous, nous avons des moments à vivre, mais c'est privé. Il n'est pas censé être au courant de ça. Et je te prie d'adopter cette logique. Et tu vas voir que ça va. Tu vois donc que, en fait, ce que je te propose pour contrecarrer le plan machiavélique du pervers narcissique, c'est de le sevrer totalement. Il ne doit avoir aucune information négative te concernant. Tu comprends que même avec les enfants, tu dois faire très attention. Tu ne vas pas demander à un enfant de mentir à son parent toxique. Donc, fais très attention au type d'informations auxquelles les enfants ont accès quand tu les as. Si tu es très mal, n'offre pas ce spectacle-là à tes enfants. Enferme-toi dans ta chambre. Dis à tes enfants, maman est fatiguée, papa est fatigué, allez jouer au salon. Le temps que ce passage à vide te passe. De telle sorte que quand PN de l'autre côté va faire son contre-interrogatoire, parce qu'il fera son interrogatoire, il va demander, alors et votre mère, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Et comment ça s'était passé? Elle était comment et tout et tout. Ils vont le dire. Il ne faut pas le nourrir à distance. Il ne faut pas nourrir sa vanité et son ego. Pourquoi? Et ça veut dire que les périodes, pour ceux qui ont des enfants, hein, ça veut dire que les périodes où tu n'as pas les enfants, c'est des périodes où tu dois capitaliser, recharger tes batteries, recharger tes énergies, recharger les bonnes ondes en fait. Travailler sur toi, travailler sur ta vie, travailler à progresser, à être prospère, prospère au travail, avoir des promotions, avoir un peu plus de revenus, avoir un peu plus de sous et tout. De telle sorte que quand tu as les enfants, ils te trouvent changé. Et ils vont rapporter ça au pervers narcissique. Que maman, elle nous a amené ci, maman ça, ce sera qu'en bien de toi. Et pareil, les gens qui vous connaissent, il ne faut pas t'offrir un spectacle dans la rue. Même si tu vas, je ne sais pas quoi, à la supérette qui est à 2 pas de chez toi. Mets-toi bien, s'il te plaît. Même si tu es dans le trou noir, tu as des vêtements qui te rendent présentable. Le mascara, ça sert à ça. Si tu as des cernes parce que tu as passé toute une nuit d'insomnie et que tu as pleuré suite à ta misère intérieure, en sortant, soit tu mets tes lunettes, soit tu me mets ton anti-cerne et tu sors, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire ça? Ça va l'affamer. Et là, il va commencer à péter les plombs. Je t'ai dit que son édifice est basé sur ta douleur, sur ta déchéance. Moins tu vas montrer le spectacle de ta déchéance, moins tu vas lui courir après pour essayer de lui démontrer quoi que ce soit. Plus tu vas te détacher et pire il sera. Il y aura plus d'instabilité de son côté. Est-ce que tu comprends ça? Merci, merci Ingrid. Tirer à quatre épingles, c'est très important. C'est très important. C'est une guerre d'usure. Et ça passe, comme on a dit, par trier ses batailles. Il y a des batailles auxquelles tu vas devoir renoncer. Comme j'ai dit, si tu vois que tu n'as pas en toi la ressource pour discuter les enfants selon les 10 points de ce que tu as demandé, résous-toi à n'obtenir que 5. Et que lui gagne les 5 autres. Si tu trouves que tu n'as pas la ressource. Parce que l'essentiel, ce n'est pas maintenant. L'essentiel, c'est le long terme. Est-ce que tu comprends? Ne viens pas perdre ta vie. Ne viens pas perdre des moments que tu pouvais t'offrir à te recharger de bonnes ondes, à être plus rajeuni, à être plus belle. Ne viens à passer même à t'éclater. Écoute, tu n'es pas fatiguée. Tu n'es pas fatigué de t'asseoir tout le temps et de maugréer et de ressasser des mauvaises pensées par rapport à ce qu'il t'a fait. Tu n'as pas l'impression que moins tu es en contact avec lui, mieux tu te portes.
Pourquoi tout le temps tu vas toujours essayer de répondre à ce qu'il te fait? Il y a certaines choses que tu dois laisser. La vie est courte. Tu ne connais pas le moment de ton départ. Tu ne connais pas combien de jours il te reste. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Nous ne connaissons pas notre durée de vie sur Terre. Et donc, si tu as moyen de vivre, de t'offrir des moments bien, moi, je préfère. Je préfère passer un vendredi soir, faire ma teuf, faire ma fête, aller danser, aller passer du bon moment, croquer la vie, que de passer le même vendredi soir à essayer de discuter quelque chose avec un pervers narcissique, à essayer de prouver quelque chose au pervers narcissique. Il faut apprendre à lâcher certaines choses. Il faut apprendre à lâcher certaines choses. Ta vie est plus précieuse. Et tes enfants, si tu en as avec le pervers narcissique, te diront merci demain. Ils te diront merci demain. Parce que le moment viendra où tes enfants auront besoin de toi. Quand ils seront adolescents, quand ils seront adultes, quand ils vont commencer à faire face aux défis de la vie, il faut qu'ils te trouvent fort, forte, bien assis, heureux, posé, en harmonie, guéri de son passé. Il faut qu'ils te trouvent comme un rempart, comme une oasis sous laquelle ils peuvent venir s'abriter de temps en temps pour avoir un éclairage sur une situation, pour avoir une petite dose d'amour avant de repartir affronter leur vie. C'est ça, Ingrid Ebonguet, la saveur des moments vécus au présent. Je te pique cette phrase. C'est ça, tu as ta vie à vivre, je suis désolée. Donc, le plan B, c'est quoi? Le plan B, c'est quoi? C'est de faire de ta vie une misère en te créant des fronts de tension, des fronts de conflits inutiles. Par exemple, vous avez un acte qui est signé par le juge qui stipule qu'il doit te déposer les enfants chaque vendredi à 17h. Lui, pour le mal, il va venir te déposer les enfants à 22h. Est-ce que c'est vraiment utile pour toi d'engager une autre procédure pour prouver qu'il ne dépose pas les enfants à 18h, il les dépose plutôt à 23h? Aïe, tu as l'énergie pour ça toute ta vie? Parce que lui, il est champion, hein. Il ne va faire que ça. Accepte. Réorganise-toi. Tu as de la ressource à l'intérieur de toi. Ok, bon, comme il ne respecte pas, moi, je n'ai pas la force et l'énergie pour faire ça, d'accord. S'il me dépose les enfants à 23h, c'est pas grave. Et tu vas même remarquer que c'est quand tu fais le lâche-prise qu'il commence à faire les choses dans ton sens. Je vous parle de vécu. C'est quand tu commences à dire « je m'en balance, je m'en gabarre ». Qui commence donc à te donner ce que tu veux. Pourquoi? C'est là où tu comprends qu'il fait exprès. Il veut maintenir un pont avec toi. Elle veut maintenir un lien avec toi. Parce qu'elle n'est pas prête à te perdre. Bonsoir Marguerite Zan. Elle n'est pas prête à te perdre. Ou il n'est pas prêt à te perdre comme poubelle. Pas comme amour ou comme je ne sais pas quoi. Comme poubelle, s'il te plaît. Donc, à toi de voir. Voilà Ingrid, il faut accepter la contrariété et les imprévus. Il sait que tu n'aimes pas si tu n'aimes pas ça. C'est ça qu'il va faire tout le temps. Si tu penses que ta vie après le pervers narcissique va se résumer à écumer les couloirs de justice, je ne sais pas, tu vas devenir quoi? Un huissier, un avocat adjoint, je ne sais pas, un opérateur de justice, pourquoi? Tu vas te mettre à bûcher tous les textes de loi. C'est quoi? Tu prépares ton concours du barreau. Au lieu de vivre ta vie, pourquoi tu vas préparer le concours du barreau? Et la foi dans tout ça. Fais ce qui est possible humainement parlant, selon les ressources que tu as. Et même les ressources financières. Parce que les procédures, ça use les poches. Ça use les poches. Et après, à Noël, tu ne seras pas foutu d'offrir un petit cadeau à ton enfant. Après, tu vas t'étonner qu'il choisisse, qu'il préfère la compagnie du pervers narcissique. Qu'est-ce que tu crois? Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'argent. Comment le pervers narcissique utilise l'argent pour acheter tes enfants. Mais ça, c'est acheter entre guillemets. Si tu fais ce que je dis, si tu restes la personne remplie d'ondes positives et d'amour, si tu gardes ta posture de parent sain, qui a toute sa raison, saine gardée, et qui est remplie d'amour, tu vas voir une chose, tes enfants, je ne sais même pas si je dois dire ça. Tes enfants. Bon, je vais quand même le dire. Tes enfants vont aller chez le pervers narcissique par intérêt. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de quelque chose de financier,
ils choisissent le pervers narcissique, mais dans leur cœur, c'est toi qui es la reine de cœur. C'est toi qui es leur roi de cœur. C'est toi qui as toute la place. Parce que toi, tu es dans l'essence. Mais il faut que tu te retrouves très rapidement. D'accord? Et donc là, c'est à ce moment-là que tu vas retrouver ta liberté. S'il y a des enjeux financiers, c'est pareil. Réclame tes droits. Mais sois très au clair. Regarde-toi très vite. Regarde-toi très vite. Ce n'est pas que tu veux lui démontrer quelque chose à ce pervers narcissique. C'est que tu es dans la logique de réclamer tes droits sans plus. Donc, tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que l'avocat te demande de faire et tout. Mais tu as ta vie à vivre. Ça ne doit pas te bouffer l'existence. Le chez-toi ne doit pas se transformer en un technodrome de textes juridiques. Donc, c'est quoi? Même toi, en tant que potentiel candidat au dating, si tu comptes te retaper, si tu comptes te remettre dans le milieu du dating, tu comptes refaire ta vie avec une autre personne, tu seras quel genre de partenaire? Un partenaire qui est zinzin, un partenaire qui passe le temps à parler de son ex, un partenaire qui passe le temps à parler droit, juridique, avocat, tu vas chasser tous les potentiels candidats. La meilleure façon pour toi d'attirer l'amour, c'est de toi-même être heureux et heureuse, épanouie dans ta vie, et non être un greffier en chef ou un huissier de justice. C'est quoi ça? Arrête ça. Je n'en veux pas la sandelle. Et n'oublie pas, le pervers narcissique te transforme en ça pour le nourrir lui et pour te détruire toi. D'accord? Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Faites très attention. La vie est belle. Nous sommes en 2023. Vous devez préserver votre santé. Vous devez préserver toutes vos capacités mentales. Il y a des guerres qui ne valent pas la peine. Il y a des guerres qui ne valent pas la peine. Ils bloquent les enfants avec de new supply, avec la nouvelle proie le jour de leur anniversaire. C'est pas grave. Tu envoies une pensée dans ton cœur, tu envoies un texto à ton enfant et puis tu réorganises ta soirée. Apprends à être souple après un pervers narcissique parce qu'il va te pondre des aberrations, des imprévus. Sois souple et vite. Ne regarde qu'à l'essentiel. Engage-toi si c'est vraiment essentiel pour toi. Si c'est vraiment pour défendre quelque chose qui est fondamental et qui est trivial, oui. Mais le reste, franchement, adapte-toi. Et comme j'ai dit, on remplace un système par un autre. Donc, ce n'est pas juste pour rester comme ça en l'air, comme une araignée. Non, c'est plutôt concentré sur toi. C'est donc, ça veut dire que tu dois avoir un plan. J'espère qu'en ce début d'année 2023, tu as une ébauche des zones à l'intérieur de toi que tu dois... Bonne soirée, Ruby. Des zones à l'intérieur de toi que tu dois travailler. D'accord? Voilà, donne-toi des chantiers. Que je dois plutôt être ceci, je dois être... Bref, essaye de cultiver ton jardin. Vous connaissez mon image. Cultive ton jardin. Plante-y ce que tu veux. Plante-y des fleurs, des arbres, je ne sais pas quoi, de la verdure. Mais bref, occupe-toi de ta paire de fesses. Joseph Dacier, bienvenue, bonne année. Arachnophobia, bonsoir. Occupe-toi de ta paire de fesses et laisse le derrière du pervers narcissique. Arrête de courir derrière le derrière du pervers narcissique. C'est quoi ton problème? Occupe-toi de ta paire de fesses. Il y a un dernier rouge à lèvres qui est sorti. Là, tu testais. Il y a un dernier parfum là qui sent très bon. Là, tu essayais. Il y a une dernière petite robe là qui est à la mode là. Est-ce que tu as essayé cette robe? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a que PN à gauche, PN à droite? Il a encore fait ceci. Il ne va pas arrêter. C'est PN. C'est comme ça. C'est l'heure comme ça. Il ne va pas arrêter. Et il fait ça plutôt pourrir la vie. Je ne sais pas. Trop parler, c'est maladie. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc, toi-même, essaye de voir. Toi-même, tu vas voir qu'il y a certaines batailles là que il faut que tu arrêtes ça. Ne discute plus ça avec lui. Ne discute plus ça avec lui. Tu n'as rien à discuter avec un pervers narcissique. C'est ça. Tu n'as rien à discuter. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à lui démontrer. Tu dois être... Tu dois être. Tout simplement. Tu dois travailler ton être. Je suis un roi. Je suis une reine. Et juste le fait que tu te places, les choses s'ordonnent, les choses s'alignent dans ton sens. Et plus tu seras ça, plus tu vas travailler ça. À un moment donné, effectivement, tu vas remarquer que le cours des choses va commencer à changer.
comme par hasard, comme par magie. Ça opère comme de la magie. En fait, c'est l'énergie. C'est la vibration que tu vas émettre. Si tu t'arrimes, si tu fais tes efforts pour t'arrimer à la vibration, j'ai bien aimé le terme de la coachée, de l'une des coachées de la Energy Masterclass tout à l'heure. Elle a dit, coach, j'ai vécu un moment de complétude. C'est ça. Si tu t'arrimes, si tu fais tes efforts plutôt. Désolée, j'ai ma connexion qui a pété les plombs. Je suis désolée. Voilà, donnez-moi voir si vous me suivez. Est-ce que là, vous me suivez à nouveau? Est-ce que ça passe? Est-ce que vous avez l'image? Vous avez le son? Parce que tout à l'heure, là, on a été coupé. On a été coupé. Donnez-moi vos retours, s'il vous plaît. Vous me suivez. Merci, Melnani. Merci, Grondin Yannick, de me le confirmer. Merci, NBDZ. Merci, Pierre May. Merci, Pretty Iman. Alors, Ingrid Ebongé dit, mettons moins dans la cagnotte PN et plus dans la cagnotte Self-Love. Je suis d'accord. Myriam Corral dit, maintenant, ça passe. Merci pour vos... un plan merveilleux que le pervers narcissique a pour toi après votre rupture. Tu es encore en relation avec lui, comme toi qui t'es déjà séparé. Et ce plan merveilleux se décline en deux modalités, mais l'objectif est le même, te détruire. La modalité A, c'est qu'il te ramène exactement au point de départ, c'est-à-dire que vos rapports ne changent pas. Si vous viviez dans la même maison, eh bien, tu reviens encore vivre avec lui, quel que soit le nombre de temps que vous vous êtes séparés. Ça peut même durer des années. Ça, c'est la modalité A. Et pour la modalité A, il aura recours soit au ouvrir, une stratégie frontale, où il va essayer de te récupérer, de te reséduire, entre guillemets, au travers des petits singes, et après lui, qui vont préparer le terrain. Ou alors, le reverse ouvring que j'ai piqué à un ou une abonnée qui va se reconnaître, j'espère, et qui pourra me donner un commentaire pour me rappeler que ça venait d'elle. Le reverse ouvring, où il va s'afficher avec la nouvelle proie de New Supply, avec qui il te trompait, hein, de toute façon. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est pour toi que c'est nouveau, mais en fait, c'était une personne avec qui il te trompait depuis des années, qui était là dans l'ombre, en fait, qui va juste officialiser. Donc, il va l'afficher un peu partout pour t'énerver et pour t'amener à réagir, à rompre le no-contact et pour profiter de ça, donc, pour vous rabiboucher. Et parfois même, il peut même pousser le vice, si c'est vraiment quelqu'un de très tordu, à faire que si toi, tu étais la femme d'épouse légitime avant, si c'est un homme, eh bien, que dans le reverse ouvring, tu deviennes sa maîtresse. Ou sa chisa. Il fait de toi sa chisa. Toi qui étais la titulaire, maintenant, tu deviens la maîtresse. Ça, c'est le reverse ouvrir. Si le plan A ne marche pas, alors il va passer au funeste plan B. Le plan B, c'est de te pourrir la vie bien qu'étant séparé, en te créant des fronts de tension, mais en fait, qui sont des leurs. Parce que le pervers, il va essayer de taper sur la phrase de « Je te tiens toujours, ta vie dépend encore de moi, j'ai encore du pouvoir ». Faire de toi ce que tu veux. Et au nom de ça, il va donc te pondre des sujets de tension. Mais en réalité, tout ça, c'est faux, c'est que du pipeau. Si c'est derrière les enfants, j'ai dit, il suffit que les enfants attendent juste un peu. Sois patiente. Ce n'est pas grave, ça fait mal, lui. C'est ces jours, ces mois, ces semaines, ces années que tu passes sans tes enfants, ces moments ratés, c'est pas grave. Dieu est le Dieu de la consolation. Dieu est le Dieu qui rattrape les années perdues. Et Dieu rattrapera ces années perdues, crois-moi. Dans la vie, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. J'aime toujours à le dire. Ce n'est pas une question de nombre de semaines ou d'années que tu as passé avec tes enfants à côté de toi, mais c'est le nombre de moments de qualité que tu vivras avec eux. Et crois-moi, si tu te préserves, si tu préserves ta santé mentale, si tu préserves ta santé physique, si tu t'économises et que tu continues à te réaliser dans ta vie, tu auras, Dieu a prévu de beaux moments que tu auras avec tes enfants une fois adultes. Et c'est même les meilleurs moments. Parce que maintenant, tu as des personnes qui sont adultes, qui affrontent certaines réalités et pour lesquelles tu leur seras plus utile. Et puis, tu t'imagines mamie, tu t'imagines papy en train de porter les enfants de tes enfants, en train de porter les petits-fils. Est-ce que ce n'est pas un beau moment, ça? Est-ce que ce n'est pas un sujet de joie? Prépare ça maintenant, s'il te plaît, en refusant d'entrer dans le jeu du pervers narcissique. Choisis tes batailles. Ce n'est pas toutes les batailles qui valent la peine d'être remportées avec un pervers narcissique. Estime le prix. Évalue ce que ça va te coûter sur le plan énergétique. Quand tu viens de te séparer d'un PVN narcissique fragile, tu as besoin de recharger ton cœur après. Laisse son derrière tranquille. Laisse son sein tranquille. Occupe-toi de ton avenir, te dira merci.
Désolée, je rechargeais mon. Passe. Oui, liaison coupée, désolée, c'est mon modem qui dérange. Mais de toute façon, je suis en train de. J'étais à la conclusion, j'étais en train de vous dire au revoir. Merci pour tous ceux qui ont liké la vidéo. Je vois 100. 100... On a passé la 100 likes. Merci aux 101 personnes qui ont liké la vidéo. Donnez-moi vos retours si vous me recevez. De toute façon, j'ai dit l'essentiel. Ne tombez pas. Désolée, c'est ma connexion, elle n'est pas bonne. De toute façon, je suis déjà à la fin. D'accord? Donc, voilà, faites attention. Ne devenez pas le fou du roi, le fou de la reine. Choisissez vos victoires, vos combats. Choisissez vos batailles. Merci pour les 102 likes. Merci. Choisissez vos batailles. Tenez compte de votre énergie. N'utilisez votre énergie que pour des batailles qui en valent vraiment la peine. Mais sinon, pour le reste, relativisez. Plus ou moins 2 jours sans les enfants, c'est pas grave. Plus ou moins ci, plus ou moins ça. Écoute, si tu penses que ça te fait gagner, allez, gagne. Pour l'instant, moi, j'ai pas la ressource pour te suivre là-dedans. Mais je préfère investir en moi. Je préfère parce que mon avenir me dira merci. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Faites très attention. Prenez soin de vous. Je suis Life Coach certifié professionnel. Si vous avez besoin en plus de tout ce qui est disponible dans mes vidéos, dans mon contenu, d'aller un peu plus loin, je peux vous accompagner en coaching individuel. Vous pouvez me contacter. Il y a la Energy Masterclass. Si vous voulez donc savoir dans cette bataille-là, comment gérer l'énergie, comment garder son énergie, comment se protéger, comment se débarrasser rapidement, parce que à distance, le pervers narcissique va toujours s'arranger à vous lancer un peu de saleté parce que vous avez été sa poubelle pendant longtemps. Vous avez été sa poubelle. Joseph Dacier, bonsoir. Pendant des années, Auteur, bonsoir. Eh bien, qui m'a aidé et qui continue de m'aider dans le programme Energy Master. La pandémie a commencé aujourd'hui. Elle est en train de faire ses exercices tranquille. Et on est parti dans le bateau pour 3 semaines. C'est fini, les inscriptions sont closes. La prochaine promo pour la Energy Masterclass, c'est pour. Oui, il y a des anciens de la Energy Masterclass qui se reconnaissent et que je salue chaleureusement. La prochaine promo va commencer le 12 février. Vous pouvez réserver votre inscription. Et sinon, pour le reste, portez-vous bien. Je vous aime très fort. Merci pour les 105 likes. Merci du fond du cœur et prenez soin de vous. Allez, je vous souhaite une belle soirée et un beau début de semaine. Ciao, ciao, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous.